Jerry Yang, bonjour. Bonjour, Emery. Alors, qu'est-ce que le IFBB Open Polynésie Championship, non, Bodybuilding Championship 2014? Alors, la IFBB Open Polynésie Bodybuilding Championship 2014, une compétition justement qui servira de sélective à la discipline bodybuilding pour les prochains South Pacific qui a été réalisé. Il y a une première session déjà. Et donc l'année prochaine, on va le reconduire vraisemblablement vers le mois de septembre. Alors, les inscriptions sont ouvertes actuellement? Les inscriptions sont déjà ouvertes depuis le début de ce mois-ci et continuera jusqu'à fin janvier 31. Et au-delà, il n'est plus possible de participer à cette fameuse sélective. Parce qu'il faut se préparer, justement. Ils ont besoin d'être... Effectivement, parce que une compétition comme ça en bodybuilding, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a certainement certains critères, les régimes et tout. Par exemple. En plus, avec les fêtes qui vont arriver, c'est pas très évident. Exactement. C'est pourquoi tu es là. Voilà, tu t'y prends à l'avance. Exactement. Comme ça, les futurs compétiteurs sont déjà prévenus qu'il faut se prendre déjà à l'avance. Alors, pour s'inscrire, comment ça se passe? Il faut venir... Oui, alors il faut aller directement sur le site de la IFBB Tahiti. Et donc après, il y a tous les formulaires d'inscription adéquats à remplir. Alors pour ceux qui n'ont pas Internet, il y a un bureau? Oui. Il y a un endroit? Oui. Me contacter au 78 68 94 ou au 83 39 00. Il faut venir avec des documents ou... Il y a une inscription également à payer. Il y a une inscription justement, un document à remplir comme quoi on veut s'adhérer à la IFBB. Et ensuite, le bureau directeur va délivrer les licences adéquates aux personnes, femmes, hommes ou ainsi de suite. Alors lors de cette compétition, il y a également des compétiteurs qui viennent de l'étranger. C'est bénéfique pour nos compétiteurs locaux? Oui. Si oui, dans quel sens? En quoi c'est bénéfique? Dans presque tous les sens. C'est-à-dire déjà le fait de côtoyer avec des étrangers qui ont déjà cette particularité de faire uniquement ces genres de compétition amènera évidemment, bien sûr, les athlètes polynésiens à beaucoup mieux progresser. D'accord. Et bien sûr, connaître les rouages et les critères internationaux également. Les catégories demandées. Et on a tout ce qu'il faut en termes d'accompagnement ou d'encadrement. Au niveau local, on a tout ce qu'il faut pour préparer nos compétiteurs locaux et accéder éventuellement au podium à l'échelle internationale. Oui. Hormis les nombreuses salles qui proposent les préparations physiques, sur les critères de jugement, la IFBB locale est à même à mieux les faire comprendre sur certains déroulements au niveau des jugements. Je rappelle que cette compétition aura lieu le samedi 29 mars 2014 au Radisson. Au Radisson, effectivement. D'accord. Je vais laisser un temps de conversation à Mario. Oui, Maruru Maitei, Jerry Tamuriamoya. Oui. Et Tataura, Aponopona Tino, Naria Tatoui, pour Fahouye Nupoya. Et Tiria Fanora, et Tupu, on était Matéti Murinei. Eh, Awe Mati. Awe Mati. Te Piti Aurumaiva. Piti Aurumaiva no Mati, et Tupu, et Et au terrain Radisson. Radisson, il y a tout petit fan. Tu es un peu de temps, tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Voilà. Tu es un peu de temps. 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 Tu es un peu de Teura, ye tiri se te me hope mo te dia. Ai. A te ho era ba. Amundo mai e de dan. Eh, te ver. Tu i go ho ta te du ho ho to ma to sti. Ah. O tanu ho ra ona tru era tra ho ha pro pono to no tino tanu ho po ine e mo ta hiano ho ta na ite. Eh. Ai tara o ite me mana ave pili pili ale ra ke te ia me tu re sha ri o pe tre ra o te me. Te ri bitu pe te fa ro me ra mo to re te te me ne ta po te io. Era numero niu. Numero niu. Bau ahur matoru, turu ahur ma iva, aure aure. Aure aure. Kitu ahur ma vau, yono ahur ma vau, eiva ahur ma ma. Traho ai maru. Narera. Ai, epiti tamato zopion tiri. Ai. Tapau mai tai o e yarau. Steve,
Faro mai tatou i tatatou himere.